Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, cher Phoenix, qui a pour objectif, donc c'est un nouveau concept qu'on est en train de lancer sur la chaîne. Tu nous diras si jamais ce concept te plaît. Alors, il va y en avoir deux. Donc là, ça va être un petit peu un mix des deux, tu verras. Donc, on avait pensé à business et aventure, et ensuite voyage et investissement. Donc aujourd'hui, on se retrouve à Dubaï, donc une ville où je suis en voyage pendant 2 semaines et demie environ, pour deux raisons. Donc la première raison, pour voilà, le plaisir, mais également pour le business. Donc, du coup, voilà, c'était ce concept-là, il sera un petit peu plus authentique. Il y aura un petit peu moins de retouches, ça sera plus sous forme d'une conversation pour qu'on puisse échanger, toi et moi, du coup, sur le sujet, un sujet peu importe lequel. Aujourd'hui, ça va être, est-ce qu'il est possible d'être libre grâce au business, grâce à l'investissement, parler un petit peu de tout ça, démystifier tout ça, voir si jamais c'est réalisable. Je vais te parler aussi un petit peu de moi, de comment j'en suis arrivé à avoir ce mode de vie. Et voilà, donc du coup, n'hésite pas dans les commentaires à nous dire si ce type de contenu te plaît. On va en réaliser beaucoup plus ces prochains temps. Moi, je suis parti dans l'année 7 fois en voyage. Donc du coup, j'ai fait différents pays, j'ai fait l'Islande, j'ai fait la Grèce, j'ai fait l'Égypte, enfin j'ai fait pas mal de petits pays. Là aujourd'hui, on est dans les États Arabes Unis avec Dubaï. Et donc voilà, on fait des voyages, on aime beaucoup ça dans la team. Et c'est un petit peu un mode qui est un mode de vie qui est bien à allier avec de l'investissement ou de l'entrepreneuriat. Je t'expliquerai pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à nous lâcher un petit pouce bleu si jamais le concept te plaît. Et si jamais tu veux qu'on aborde d'autres thèmes avec ce concept-là, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire. Alors, comment j'ai fait moi pour, dans ma situation, pour me libérer de mon travail et commencer justement à un petit peu réaliser des projets? Comment j'ai fait pour me débrouiller à faire ça? Donc en fait, pour tout te dire, à la base, j'étais fonctionnaire, enfin militaire plus exactement, j'étais pompier à Marseille. Et un jour c'est venu où je me suis dit, bon bah, il faudrait que je puisse travailler pour moi et accomplir des projets pour moi. Donc j'ai commencé à investir de façon massive dans l'immobilier après avoir lu beaucoup de bouquins et m'être beaucoup formé. Et l'immobilier, c'est un des meilleurs moyens de devenir libre, en tout cas dans un premier temps. Après, on verra qu'il existe d'autres manières, comme créer des business ou créer des projets qui rapportent beaucoup d'argent, parce que forcément, dès qu'on a beaucoup d'argent, ben, on peut commencer à vivre une vie qui nous inspire, vu que l'argent n'est plus un frein, en tout cas, qui nous restreint à travailler dans un endroit géographique. Et du coup, l'immobilier, c'est un des meilleurs moyens de se libérer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, grâce à la banque, grâce au levier bancaire, on peut du coup se dégager, enfin acheter des gros immeubles avec des rendements qui nous apportent du cash flow. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait beaucoup de projets immobiliers. J'ai acheté plus d'une vingtaine de biens en moins de 2 ans. Et à côté de ça, j'ai commencé à faire d'autres projets. Donc j'ai fait des petites laveries automatiques dans certains de mes biens. J'ai créé des petits projets, voilà, de restauration, de commerce digital. Et ensuite, j'ai fait d'autres projets qui m'inspirent et qui me plaisent aujourd'hui beaucoup. Donc aujourd'hui, plutôt on commence de se libérer de son travail. Si jamais tu as un travail salarié ou que tu es dans la fonction publique ou que tu es dans une administration, peu importe, il est possible de ne pas tous les jours aller travailler et de se dégager du temps en investissant. Plus tôt on commence et plus le levier sera grand, parce que du coup, voilà, forcément tu vas avoir le temps devant toi et tu vas pouvoir réaliser pas mal de projets. Donc c'est de ça dont on va parler. Donc comment faire pour du coup se libérer, comment faire pour avoir un mode de vie comme ça? Donc dans un premier temps, il est important de se renseigner sur des sujets qui peuvent te permettre justement d'accéder à ce mode de vie. Donc les sujets les plus importants sont l'immobilier, forcément, parce que l'immobilier, bah, ça permet de se dégager du temps en achetant des biens. Donc ça va demander une mise en place assez importante de plusieurs mois, trouver des biens rentables, ensuite les acheter, enfin faire passer le crédit à la banque et tout ça, ensuite mettre, on va dire, dès que le bien est acheté, un process sur le bien immobilier, le mettre en agence ou quoi que ce soit, trouver des gestionnaires qui s'occuperont de la gestion de ton bien, et ensuite dupliquer ça pendant plusieurs biens immobiliers jusqu'à ce que tu arrives à tes objectifs de cash flow. Pareil, si jamais tu veux créer un business en ligne, c'est également un très bon moyen de pouvoir arriver à ces objectifs, car aujourd'hui, tu peux travailler de n'importe où dans le monde à partir du moment où tu as une connexion Internet. Donc, certains business en ligne sont beaucoup plus simples à mettre en place que d'autres. Par exemple, faire des shops e-commerce, faire du freelance, faire des agences de consulting ou quoi que ce soit, ou des agences de marketing. Si jamais tu te formes et que tu développes des compétences, c'est très simple de mettre en place ça, de se créer une notoriété avec différents réseaux sociaux, avec de la publicité. Et ensuite, à partir de ce moment-là,
ben du coup, tu peux travailler de n'importe où dans le monde. Pareil pour le e-learning, avec la formation. Ou pareil avec, je sais pas moi, tu crées des sites internet. Tout ça, ce sont des choses que tu peux faire de France ou d'ailleurs dans le monde, si jamais tu as un endroit qui te conviendrait ou qui te plaît de vivre. Donc, tout ce qui... En fait, c'est ce qu'on appelle un peu les digital nomades. Donc, après, ça demande quand même du travail. Pareil, il y a une mise en place qui est extrêmement importante. Mais plus tu te renseignes tôt, plus tu cherches à développer des compétences dans différents domaines, et plus, en tout cas, tu vas te libérer du temps et ensuite pouvoir travailler de n'importe où. Donc, la liberté, c'est ça aussi. C'est aussi de travailler pour soi. Peu importe où tu travailles dans le monde, tu peux travailler pour toi. Donc, aujourd'hui, moi, ce qui m'inspire, en tout cas, je m'en suis aperçu au fur et à mesure, c'est faire de la gestion de projet. Donc, ce qui a pu me permettre de me libérer dans un premier temps, c'est les investissements à l'immobilier. Ensuite, réinvestir, donc investir dans la bourse, dans les cryptos, dans de l'equity, dans d'autres boîtes, dans des startups, dans des projets que j'aimais beaucoup. Ou même que ce soit dans les montres ou dans des métaux rares, quoi que ce soit. Tu investis, tu fais fructifier ton capital, ton argent. Donc, ça, pareil, il faut le faire intelligemment, il faut faire du DCA, il faut être régulier, il faut bien épargner, il faut commencer à éviter d'acheter trop de passifs, donc ça c'est super important, d'ailleurs ce sont les bases. Quand tu veux commencer ce processus de te libérer, il faut savoir que pendant une certaine période, ne pas acheter des trucs qui coûtent cher ou des trucs qui te rapportent pas d'argent, ce qu'on appelle typiquement les passifs. Investir dans des actifs, dans des choses qui te rapportent de l'argent. Donc typiquement, éviter d'acheter des voitures qui sont trop chères ou qui sont au-dessus de tes moyens. L'idéal est d'acheter un véhicule qui représente moins d'1% de son capital. Voilà. Ensuite, toujours investir minimum 10% de son salaire ou de sa rentrée d'argent dans des actifs, tous les mois, être constant. Et pareil pour le business, si jamais tu veux lancer un business, il est important d'être constant. Ne pas compter sur de la motivation parce que du coup tu as vu cette vidéo et tu t'es dit « putain c'est cool, j'ai envie de créer quelque chose d'inspirant ou j'ai envie de créer un business pour me rendre libre ». Il faut que tu saches que ce qui est ultra important, c'est d'avoir une récurrence. Il est important que tu mettes en place des process et que tu t'y tiennes. Donc ça veut dire que tous les jours, bah, du coup, tu travailles 3-4 heures par jour pour tes projets. Si jamais tu es salarié ou que tu as un emploi de 35 heures par semaine, moduler ton emploi du temps pour au moins travailler 1 heure à 2 heures par jour, tous les jours, de façon quotidienne, même le week-end s'il faut, pour justement avancer sur tes objectifs. Mais en tout cas, ça demande du travail. Donc quoi qu'il en soit, c'était juste pour te faire une petite vidéo que tout ça, c'est possible, ça demande certains process. Si jamais tu as envie qu'on parle d'un sujet en particulier, parce qu'on en maîtrise plusieurs chez Phoenix, entre Romain qui lui... est plus spécialisé dans tout ce qui est bourse et la crypto-monnaie, où il est très très bon là-dedans, et d'ailleurs c'est lui qui gère aussi nos investissements, entre Alexandre et moi qui sont plus dans la partie business et entrepreneuriat, business et immobilier, on peut te parler de sujets, de thèmes, de façon bien plus précise, en t'apportant beaucoup de valeur et en t'apportant beaucoup de choses qui vont te servir. Mais quoi qu'il en soit, si un de ces thèmes te donne envie, n'hésite pas à nous le dire et on abordera tout ça un peu plus profondément dans des prochaines vidéos. En tout cas, ce qui est important de se dire, c'est que si jamais tu pars de nulle part et que tu commences, on va dire, de très loin, que tu es débutant dans le domaine, c'est juste pour t'expliquer que voilà, sans mensonge ni en te vendant du rêve, ces objectifs-là sont largement atteignables. C'est possible, mais par contre, ça nécessite par contre du travail et que ça demande de se réinventer également. Parce qu'au tout début, sache que la personne qui regarde cette vidéo ne sera certainement pas la personne qui va réussir. Tu vas devoir te réinventer, tu vas devoir apprendre de nouvelles choses, tu vas devoir apprendre de travailler différemment. Et ça passe par le mindset, ça passe par la connaissance, et ça passe par toujours, en fait, mettre de l'énergie dans ses projets. Donc, voilà, nous allons terminer sur ce thème de vidéo, business et aventure. J'espère que ce thème un petit peu inspirant, nous sommes dans la marina de Dubaï, t'aura plu. N'hésite pas dans les commentaires, comme je t'ai dit tout à l'heure, à nous mettre les choses que t'aimerais qu'on parle et qu'on aborde. N'hésite pas d'ailleurs à nous dire si ce concept te plaît, plus authentique, voilà, avec le bruit ambiant de la rue ou voilà, les choses qui passent derrière. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait super plaisir et ça nous motive encore plus à te donner du contenu de qualité qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et qui va te permettre de développer de nouvelles compétences. En tout cas, sache qu'on travaille de plus en plus à te fournir un maximum de valeur. On va faire beaucoup de tutoriels qui vont t'apprendre certaines choses qui seront essentielles pour que tu développes ton business, pour que tu apprennes à investir dans tel ou tel actif ou que tu fasses de l'immobilier, que tu te puisses te lancer, en fait, d'avoir les bases. Et voilà, donc du coup, n'hésite pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux où on est très actifs. On fait en sorte de toujours publier un maximum de contenu. Donc merci à toi si c'est le cas. Et je te dis à très bientôt. Ciao.